Bonjour à tous et à tous. Et oui, comme vous l'avez remarqué, comme vous l'avez entendu, non, c'était pas à la télévision parce que j'ai tout fait pour que ce soit pas à la télévision. Et oui, parce que en Bruxelles, alors qu'on n'a pas su convaincre Rudy Devore. Donc, Rudy Devore a décidé de mettre le pass sanitaire obligatoire pendant 3 mois. 3 mois. Donc, ça veut dire du 1er octobre jusqu'au 31 décembre. Donc, voilà. Ah oui, hein? 3 mois, il a décidé, cet enculé. C'est pas grave. Ma grève est contenue au finish. Voilà. Donc, il n'y aura pas de bonus. Il n'y aura pas d'invité sur la tablette. Parce que ma grève, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle continue, au finish, voilà. Il n'y aura toujours pas de concert, parce que le concert, lui aussi, est en grève jusqu'au finish, donc voilà. Et mes deux sites, que vous connaissez d'habitude, eux aussi seront en grève jusqu'au finish. C'était jusqu'au 23, mais comme la connerie du gouvernement bruxellois a prolongé sa connerie, eh bien moi je prolonge ma grève sur mes deux chaînes et ce sera jusqu'au finish. Voilà. Voilà. Alexandre Lecor n'a pas dit que le vaccin était obligatoire, non, ça il n'a pas dit. Voilà. Le masque, on le sait, mais ça je m'en bats les couilles. Mais à Bruxelles, le masque est obligatoire dans les marchés, dans les brocantes, dans les braderies, dans les magasins, dans les rues commerçantes, à l'hôpital, dans les homes, dans les cinémas, dans les théâtres, dans les salles de concert, dans les salles de sport. Hein? Avec le pass sanitaire en plus. Et nous, les bousins, on a dit non au pass sanitaire. Et je vous dis hein, que Rudy Vavor n'allait pas écouter les autres. Ah non, hein? Ah non, non. Ah non. Ah non, non, il n'a pas écouté, bah tant pis. Hein. Et on voit bien que bon, il a élevé le ton pour le vaccin, Alexandre, mais il était forcé, ça se voyait dans ses yeux qu'il ne voulait pas. Qu'il avait peur de perdre sa place s'il disait l'inverse. Ça se voyait, hein? Hein? Faut à tout prix que le Vasbelin gagne, parce que grâce à ça, Alexandre Cohen n'aura plus peur de dire ce qu'il a vraiment envie de dire. Voilà. Parce qu'avec le Vasbelin, nous, on force pas les gens à dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Voilà. Ah, c'est comme ça. Avec nous, le Vasbelin, on n'est pas comme ça. Voilà. Je sais pas ce qu'il pense de MR et ses films, mais à mon avis, ils doivent être aussi fâchés. Pas sur Alexandre Cohen, parce qu'il n'avait pas le choix. Enfin, il avait le choix, mais comme il ne voulait pas perdre son travail. On voyait qu'il est. Il a, ça te voyait, hein? Et. Mais j'espère que le MR et les sont fâchés sur Rudy Vavor et le gouvernement bruxellois. Et j'espère qu'eux aussi feront grève avec nous. Parce que des manifestations et de grève, il y en aura encore! À Bruxelles! Pour le pass sanitaire! Pour le vaccin! Merde! Et tout ça a été dit à l'avocat! Voilà! Donc voilà. Ils avaient dit jusqu'en octobre. Du 1er octobre jusqu'au 31 octobre. Mais ils ont menti. Parce que. Il a menti. Ouais. Il a menti. Parce que ce sera pas jusqu'au 31 octobre. Non, il a dit 3 mois. 3 mois.
Ça va durer 3 mois à partir du 1er octobre. Donc, c'est du 1er octobre, normalement, jusqu'au 31 décembre. Ça fait 3 mois. Et oui. Et nous, on avait dit non. Et moi, je dis toujours non. Voilà. Donc, pour le pass inter, ce sera toujours non pour moi. Et voilà. Donc, pour le pass inter, c'est non et je ne changerai toujours pas d'avis. Donc, pour le pass inter, c'est toujours non pour moi et je ne changerai pas d'avis. Et ma rêve est continue au finish. Voilà. Voilà. Jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 1er décembre. Après, on verra le 1er décembre. Donc, ma grève va durer. Elle va durer au finish. Enfin, au moins jusqu'au 1er décembre. Voilà. Ça va être long, mais c'est comme ça. Faut pas m'en vouloir à moi. Il faut en vouloir à Rudy Vevor, à la Marron. Et la ministre de la Justice. De l'Intérieur, pardon. Et la ministre de l'Intérieur. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, ma grève est contenue au finish. Voilà. C'est comme ça. Je m'en bats les couilles. On avait dit non. Fais ton malin. Et ben, c'est pas grave. Nous, on va continuer à faire notre manifestation et notre grève. Voilà. En tout cas, moi, je continue ma grève qui a démarré depuis le 23 décembre. Depuis le 23 août 2021, qui était censé se terminer le 22 ou le 23 septembre. Mais c'est pas le cas. Je prolonge ma grève. Voilà. Je prolonge ma grève au finish. Voilà. C'est comme ça. Donc le pass sanitaire sera obligatoire à Bruxelles et le vaccin aussi. Moi, je prolonge ma grève au finish. Voilà. Et comme le pass sanitaire, c'est toujours sur le vaccin et pas l'autre. Donc, voilà. Ma grève, elle continue. Et même si ça a été l'autre aussi, ma grève, elle aurait quand même continué. Voilà. Donc, voilà. Donc, faut pas en avoir un laissant de croc. Ça devait bien dans cette vie qu'il avait les larmes à l'œil, mais qu'il voulait pas perdre sa place. Donc, voilà. Non, c'est pas une poule mouillée. Non, la poule mouillée, c'est Rudy Vevor qui n'a pas les couilles de dire la vérité, que ça va mieux. Non, lui, il préfère dire que ça va pas mieux. Ils avaient dit d'abord 65% de Bruxellois vaccinés à la première dose. Et maintenant, ils disent qu'on a 50% de vaccinés. Alors, ça va, hein. Et dans le sport commun, ils seront toujours obligatoires en Wallonie et à Bruxelles. Ouais. Pas en Flandre, hein? Non. En Flandre, le masque sera plus obligatoire dans les magasins et dans les transports communs. En Flandre, le masque n'est déjà plus obligatoire dans les brocantes, dans les marchés, dans les braderies, au travail, dans les rues commerçantes, dans les rues non commerçantes, dans les festivals et tout ça. Donc voilà. Et maintenant, ce sera aussi dans les magasins, donc voilà. Mais en Flandre, hein? Ah ouais, tu es en Flandre. En Wallonie, ce n'est que dans les brocantes, les marchés et tout ça. À Bruxelles, c'est partout. À Bruxelles, le masque reste obligatoire dans les marchés, dans les brocantes, dans les braderies, à la commune. Enfin, si vous voulez aller à la commune, voilà. À l'hôpital, dans les homes, dans les magasins, dans les restaurants, dans les cafés, dans les bars,
dans les festivals et aussi enfin, les bonnes nuits étaient fermées donc ça compte pas, donc eux ce sera la première fois, mais aussi dans les boîtes de nuit. Voilà. Donc, on n'a pas encore gagné la guerre, on n'a pas gagné gain de cause, donc ma grève elle continue. Voilà, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ma grève elle continue. Voilà. Et maintenant, voici les avant. Non. Voici la suite de la pièce en forme de sketch Les Vacances. À Marseille, à Rouen. On a gagné la Belgique, enfin les Diablos féminins, à Rouen. Ouais, il y a du progrès. Il joue bien, mais il y a du progrès. J'espère que mercredi. Ah oui, mercredi, sur ces deux sites-là, je reviendrai à 13h. Mercredi. Mardi, pardon. Mardi. Mardi, le 21 septembre 2021. Voilà. Sur ces deux sites-là. Ah voilà, les deux autres sont en grève, on fait Nietzsche. Bon. Donc, voilà. Et donc, c'est 1-1. Donc, ils gagnent tous les deux un point. Ah ouais, ça. Ah ouais, hein. Parce qu'on va devoir, ils n'osent pas dire qu'à l'hôpital, ce sont tous des vaccinés qui sont à l'hôpital en soins intensifs. Lui, il préfère dire l'inverse, que ce sont des non-vaccinés. Mais tiens, mets ça dans ton cul, fils de pute. Espèce d'enculé de redivivore. De toute façon, si je te vois en rue, je te bute, pardonné d'y aille. Bon. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais. Et non, tout seul. Non, mais les autres sont là pour m'aider à éviter que les keufs foutent de la merde. Voilà. Voilà. Ah, ouais. Bon. Vous allez voir ça. Ça va faire du bruit et ça va chier là-dedans. Alors, hein. Ils avaient dit. Nous, on avait dit zéro. Et plus, les mains ont dit pas longtemps. À courte durée. Non, ce bâtard de Rudy Vervoir a cédé de message jusqu'au. Ouais. Dans les festivals aussi, dans les trucs là, avec moi je fais ça encore, dans les salons, ça je ne sais pas, ça je vais me renseigner, si c'est le cas, bah, tant pis, je n'irai pas s'en ici au salon, tant pis, j'ai pas attendu le 20 parce qu'il a été annulé, j'irai pas s'en ici à cause du pass sanitaire si jamais il est obligatoire là aussi, donc voilà, et donc voilà. Donc voilà. Donc, même monsieur, je ne sais même pas certain si j'irai au salon d'alimentation cette année-ci, à cause du pass sanitaire du seul ticket. Ah ouais, mais merde, hein. Donc voilà. Et donc. Voilà. Hein? Mais ma gamme, elle est contenue. Ma gamme, elle est contenue. Voilà. Et au finish. Voilà. Et je tiens le coup. Voilà. Le grand bourgeois, lui, il prolonge sa connerie. Moi, je prolonge ma greffe. Voilà. Désolé. Mais c'est comme ça. Enfin, je suis pas désolé pour le grand Bruxellois. Hein. Je suis désolé pour vous, mon peuple. Mais bon. Enfin, mais. Allez, mon public. Mais bon. Ne vous inquiétez pas, ma grève est continue. Et vous pouvez aussi faire des grèves et des manifestations si vous voulez. Voilà. Ah oui, hein?
Donc, voilà. Ah ouais, hein? On va quand même pas aller tous en Flandre pour aller dans les magasins et tout ça, hein? Enfin, moi, ça me dérange pas. J'adore la Flandre. Je suis flamand. Mais quand même, je suis quand même pas allé. Hein? Bon. C'est quand même loin, hein? Quand t'habites Bruxelles pour aller en Flandre. Ah ouais, hein? Quand t'habites à la frontière flamande, ça va? Mais bon. Ah, mais les Français, eux, ils vont aller en Flandre, à Rouen. Ils vont aller dans un endroit où le marché n'est plus gâteau dans les magasins. Dans. Allez. Dans les transports communs et patati patata, à Rouen. À Rouen. En Wallonie, il est encore obligatoire dans les magasins, et dans les cafés, et dans les restaurants. Donc la Flandre, la France, qui habite pas loin de la frontière francophone, néerlandophone, ils vont aller, hein, à moins. Tous ceux qui habitent pas donc, la frontière française, donc par exemple, comment expliquer? Quand vous êtes à la panne, hein, à deux pannes, bon, quand vous êtes à deux pannes, hein. D'un côté, vous allez vers Coxyde et vers Ostende et tout ça. Et d'un autre côté, vous allez vers la France. Donc, ceux qui habitent à la frontière de la Panne, eux, ils ont qu'à traverser la Panne et ils sont à la mer et venus que nous dans Brouillon, en Rouen. Vous allez voir ça. Moi, j'aime pas les vacances d'hiver, mais moi, je vous dis déjà, les vacances d'hiver, ce sera sans l'hiver, enfin, sans, ce sera avec l'hiver, mais sans la neige, ben, même s'il neige dans les Ardennes, ce sera sans les clients. Ils iront en vacances à la mer, à un endroit où le masque n'est plus là. Voilà. Quoi? Hein? Il va y avoir du monde, hein, pendant les vacances de Noël. Ah, déjà pour les vacances. Bon, les vacances de Noël, on va se faire deux qu'une semaine, hein. Ah ouais, hein. Mais les vacances de Noël, qui durent 2 semaines, ça, cela, il va y avoir du monde, hein, à la mer du Nord. Au Royaume-Uni. Même en été, hein. Ah ouais. Parce qu'un journaliste ou quelqu'un a demandé est-ce que c'est jusqu'au 30, est-ce que c'est jusqu'au 1er mai, jusqu'au 1er décembre, date définitive ou pas définitive. Il n'y a jamais rien de définitif. Mais il a dit ça parce qu'il était obligé, Alexandre Crowe. Ouais, on voyait bien dans son regard qu'il ne voulait pas le dire. Pour ça, Alexandre Crowe, il est comme ça et il restera toujours comme ça. C'est notre bon, meilleur premier ministre qu'on a et il est comme ça et c'est un bon. Voilà. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Ah, mais c'est sûr, hein? Ah, ça c'est sûr, hein. Hein? Janvier, octobre, novembre et décembre, ça fait 3 mois. C'est vraiment un fils de pute redivivore. Le mini bruxellois. Mais tout ça a été dit à l'avocat, hein, par exemple, parce qu'il était sur place quand redivivore l'a dit. Donc voilà. Ah ouais, hein? Ah, ça c'est sûr, hein? C'est moi un enculé, hein?
Même si moi je vais jamais au café, même si moi je vais jamais au restaurant, même si moi je vais jamais dans les boîtes de nuit, même si moi je vais jamais au bar. Voilà. Mais j'espère que pour le salon ce ne sera pas le cas parce que ça commence à bien faire. Hein. Même pour les mariages, le pass sanitaire sera obligatoire. Même pour les magasins, c'est scandaleux. Hein. À Bruxelles. Hein. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est scandaleux. Là, c'est comme ça. C'est scandaleux. Hein. Bon. On va voir ça. Vivement 2024 pour les premières élections pour choisir un nouveau gouvernement. Vous allez voir. Bon, pour le gouvernement bruxellois, là, on doit attendre les élections communales. C'est dommage, mais bon. Mais vous allez voir. Je vais tout faire pour que votre balin gagne sur tous les tableaux. Comme ça, le PS, l'aura dans le cul. Le CDH dans le cul, les écolos dans le cul, le PTP dans le cul, le FDF dans le cul, le défi dans le cul, et voilà. Voilà. Et la NVA dans le cul. Voilà. Et le PS flamand dans le cul. Et le gouvernement et les écolos flamands dans le cul. Voilà. Et le VLD dans leur cul. Et le PZLD dans leur cul aussi. Voilà. Moi, je ferai tout pour que ce soit le vote blanc qui gagne et personne d'autre. Voilà. En tout cas, en toute la Flandre et à Bruxelles. Voilà. Voilà. Merde. Voilà. Ouais, merde, merde, ouais, merde. Voilà. En tout cas, vous devez voir, il y a intérêt à avoir une bonne assurance vie. Parce que sa vie ne va pas rester longtemps. Ah non, ça. Ah, moi, ça me manque quelque chose, moi je dirais, désolé. J'ai rien vu, rien entendu et rien parlé. Voilà. Si on me dit, est-ce que vous êtes au courant du devoir se faire agresser ou des trucs comme ça, je dirais, moi, désolé monsieur, moi j'ai rien vu, rien entendu et rien parlé. Rien vu, rien entendu et rien parlé. Ça veut dire rien vu, rien entendu et rien parlé. Voilà. Voilà. Au revoir. C'est comme ça. Au revoir la frite. Ils avaient dit. Ben nous on avait dit non. Mais. Le gouvernement bretonne, il avait dit que ça va durer un mois. Du premier, et c'est mensonge. Il a dit que ça va très mal en Flandre, que la Flandre va faire pareil. Et ben il a encore menti. Parce qu'en Flandre, ça va très bien. En Wallonie, un peu moins, mais bon. Ah ouais, hein? Quoi? Mais c'est vrai, hein? Vous avez qu'à écouter, hein? Attendez. Allez. Où il part, mon amour. En tout cas, maintenant, à partir de maintenant, j'ai toujours resté mon cul assis le soir. Alors, hein, ouais. Flamand rose, mais du baponnet.
Rien, ma poule. Ma biche. Mon corbeau. Me dis. Ma poney. Quoi? Non, rien. Un bain alors. Quelqu'un sur ton doigt, pipi sur l'autre, hein. Venez, va, prenez. Un moyen. Trou du cul. Venez. 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. C'en est fini de porter le masque dans les magasins, les restaurants, les cinémas, mais seulement en Flandre. Voilà, comme je dis, seulement en Flandre. À Bruxelles dans l'immédiat, la Wallonie reste également prudente. Nous ferons le point en direct avec Rachel Fevelaro. Cette épidémie est en train de devenir une épidémie de personnes non vaccinées. Voici les mots du Premier ministre Alexander De Croo. Ouais, mais il était forcé de dire. Clairement, le ouais. Sont non vaccinés. Si ça te passe bien, là il aurait dit la vérité. Le vaccin, non, c'est pas nécessaire, pas ça, mais. Les initiatives très attendues hein vont avoir lieu pendant 3 jours. Qu'en pensent les électeurs, les jeunes en particulier? On s'en fout. Bruxelles et en Wallonie, dans un premier temps, comme on le voit avec David Crozet, Guillaume Wolf et Elisabeth Courtin. C'est la mesure phare du comité de concertation d'aujourd'hui. À partir du 1er octobre, dans l'Horeca et les commerces, le port du masque pourra ne plus être obligatoire. Pourra, car il s'agit d'un socle fédéral et chaque région... Oui, dans les endroits communs, mais en Flandre, pas à Bruxelles, et non. C'est marqué là, hein. Commerce, le port du masque pourra ne plus être obligatoire. Pourra, car il s'agit... Voilà, donc je vais vous dire, oui, il ne sera plus obligatoire, mais que en Flandre, hein. Dans les transports en commun, à l'intérieur, à l'aéroport et voilà. Voilà. Et dans les magasins. Voilà. Et dans les salles de sport et dans les marchés, les brocantes et les braderies de la Flandre. Donc voilà. Et dans les rues commerçantes non plus, il n'est plus obligatoire non plus. Voilà. D'un socle fédéral et chaque région peut décider d'être plus sévère. Et même chez le coiffeur, il ne sera plus obligatoire non plus. Mais en Flandre, que en Flandre. La situation, c'est ça. Et ça, c'est le fils de plus qui parle. Redis le fort. Il y aura suffisamment que pour nous permettre d'envisager un retour. Ah, t'es cul quand t'aboies, connard. Ah, t'es cul quand t'aboies, connard. Au-delà de ce que le socle fédéral prévoit, donc dans les grands. En Wallonie, Elodie Rouppeau annonce que cette décision doit encore faire l'objet de discussions. Je voudrais dire, moi je plaide pour la prudence. Dans les endroits où il y a des personnes vaccinées et non vaccinées, à l'intérieur, il vaut mieux porter le masque, c'est plus prudent. Un avis que partagent certains Wallons. Je pense que c'est trop tôt pour les enlever, il faut encore rester. Oh, c'est moi la vieille! Eh ben crève la vieille, va dans ton home, salope! J'ai hâte que ce ne soit plus obligatoire. Ne serait-ce que dans les cafés, les magasins, enfin tout. À partir du moment où on est vacciné, je vois pourquoi on devrait encore porter le masque. Finalement, seule la Flandre confirme aujourd'hui que le port du masque dans les commerces et l'horeca sera désormais facultatif. Pour cette fleuriste à Roulers, en Flandre occidentale, c'est une bonne nouvelle. Ik hoop zeker dat ze afgeschaft worden, want ze staan altijd een afstand tussen klant met mondmasker aan en constante verplichting te geven om ze aan te doen. Mais pour certains clients, le masque ne sera certainement pas abandonné par. Bon, moi j'avais pas dans de la Flandre, ouais. Dilbeek. En die nog, en tout ça, mais quand même, je quand même pas aller là-bas. Ik ben op de manier dat je wilt, en als dat een vrije keuze is, heb ik daar absoluut geen probleem mee.
Reste que ce socle fédéral maintient l'obligation du port du masque dans toute une série d'autres lieux. Partout en Belgique, il faudra donc continuer de le porter dans les transports en commun, les gares, les aéroports, les hôpitaux et les maisons de repos. C'est aussi valable pour les métiers de contact et pour les événements de plus de 500 personnes en intérieur s'il n'y a pas de Covid safe ticket. Oui, mais c'était à Bruxelles, hein. Ça n'a rien avec la Flandre, tout ça. Bonsoir, Thomas Gadisseux. C'est donc une mesure qui ne concerne, dans un premier temps, que le nord du pays. Et on va rappeler que ces changements entreront d'ailleurs en application le 1er octobre. Ça va peut-être laisser un peu de temps aux autorités pour clarifier leur communication qui n'est pas encore totalement claire ce soir. On a compris que l'intention en Flandre, c'est de ne prendre que les règles minimales. Et donc la conséquence, c'est plus de masques en Flandre dans les magasins pour le personnel et pour le client. À Bruxelles, on reste avec les règles actuelles. Concrètement, pour les Bruxellois, ça veut dire quoi ? Dans un espace public, à l'intérieur, on porte le masque. Par contre, si on doit montrer un Covid safe ticket, un pass sanitaire pour rentrer dans ce lieu, par exemple au restaurant ou au café, ben forcément, à l'intérieur, comme on a montré patte blanche, là, on ne doit plus mettre le masque. En Wallonie, il y a une discussion qui parce qu'il y a un débat entre le pass sanitaire et le masque. Là aussi, on se pose la question, est-ce qu'on ne doit pas élargir l'utilisation du pass sanitaire, par exemple, dans les restaurants ? Ce qui, du coup, impliquerait qu'on ne doit plus mettre le masque dans les restaurants. Il y a une discussion, ce sont les fêtes de Wallonie ce week-end, donc le prochain gouvernement, c'est la semaine prochaine. On va encore être patient, mais donc je rappelle, c'est vrai que c'est pour le 1er octobre. Un autre enseignement de la conférence de presse, Thomas, le ton qui se durcit clairement. Le Premier ministre Alexander De Croo a lancé un message aux personnes non vaccinées. Ouais, mais il était forcé à cause du gouvernement bruxellois. C'est en train de devenir une épidémie des personnes qui sont non vaccinées. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elles soient... On voit dans ses yeux qu'il a promis de le dire, mais il est obligé de le dire. Aujourd'hui, les gens qui... Moi, j'ai été forcé de le dire par le gouvernement bruxellois. Ce n'est pas défendable d'un point de vue de société. Ce n'est pas défendable que le soins intensif, on voit pratiquement que des gens qui ne sont pas vaccinés, qui mettent en danger d'autres personnes. Et mettre en danger d'autres personnes, c'est un droit que personne ne peut avoir. Les mots sont assez durs. Comment analyser justement cette déclaration du Premier ministre ? Alors derrière le ton d'Alexander De Croo, il y a clairement la menace de basculer vers une vaccination obligatoire. Il y a eu aussi ces mots, ce n'est ni acceptable ni tenable. Oui, mais c'est pas obligatoire. Mais les bonnes nouvelles de la vaccination en Belgique sont éclipsées par la situation bruxelloise. En clair, ce soir, la Flandre a sa récompense. Elle peut engager des assouplissements alors que ce ne sera pas le cas en Wallonie à Bruxelles. On rappelle que la Flandre a un des meilleurs taux de vaccination quasiment au monde. Oui, Thomas Gadisseux, vous restez avec nous, mais on va rejoindre à la rue de la loi Rachel Crivellaro. Rachel, vous êtes, je pense, avec le ministre de la Santé, Frank Van den Broek. Exactement, avec le ministre de la Santé, Frank Van den Broek, et on ne va pas perdre de temps. Monsieur Van den Broek, donc ce Codeco qui décide l'assouplissement... Frank Van den Broek, l'enculé de mettre de corps aussi, celui-là. Hein. Alors que certains experts disaient, attention, une telle mesure, c'est peut-être favoriser une nouvelle vague à l'automne prochain. Mais moi, j'essaierai de rassurer si non seulement le gouvernement bruxellois, mais aussi le gouvernement wallon maintient la mesure existante en matière du port du masque. C'est ce qu'on nous a dit cet après-midi. Pour moi, c'était absolument crucial que, non seulement à Bruxelles, mais aussi en Wallonie, l'intention est de maintenir le port du masque en règle générale dans les magasins, dans l'horeca, etc. Et c'est tout à fait nécessaire. Autre question, par rapport à un moment, on avait évoqué l'obligation de vaccination pour le personnel soignant. Le Codeco devait fixer un cadre. Où est-ce qu'on en est ? Il y a des avis qu'on a demandé aux employeurs, aux employés. On a demandé une concertation sociale. On aura ces avis-là début de la semaine prochaine. Sur base de ces avis, on va développer un cadre légal. Et j'ai dit cet après-midi à mes collègues que je veux vraiment accélérer le pas. Je veux aussitôt que possible une obligation légale pour le personnel soignant pour se faire vacciner. Alors on a bien compris que le Covid Safe Ticket, c'est une alternative. Ouais, mais l'avocat en matière de vaccination, on ne peut pas aborder sans... Paolo n'est pas d'accord avec ça. Et moi non plus d'ailleurs. On a d'ailleurs sur nos antennes ce matin le ministre-président bruxellois, Rudy Verhoeven. Ben, écoute, c'est un débat théorique. Je ne vois pas comment réaliser cela en pratique. Comment est-ce qu'on va réaliser ça? Est-ce qu'on s'imagine ce que ça veut dire? Donc, moi, j'aime bien les débats théoriques, ce n'est pas ça, mais en ce qui concerne... Aujourd'hui, je préfère l'action concrète. Rapidement, Frank Van den Broek, ça patine à Bruxelles, ce taux de vaccination. Comment faire alors pour l'augmenter? Mais je crois que le gouvernement bruxellois fait vraiment de son mieux, donc... Faut de la merde, ouais! Dis la vérité, connard! Il faut d'abord maintenir ses efforts,
vraiment développer partout des initiatives de proximité et aussi utiliser et continuer à utiliser des infrastructures collectives comme les écoles, les services de l'ONE, pour vraiment offrir la vaccination aussi aux jeunes. C'est ce qu'il faut faire et combattre tout le, disons, les histoires fausses qui sont racontées. Merci beaucoup, Franck Vandenbroek. Voilà, c'était le ministre de la Santé, Franck Vandenbroek, rassuré donc sur cette question de l'assouplissement du port du masque à partir du 1er octobre, si ce n'est que là, il est rassuré parce que les régions, eh bien, auront leur propre ligne de conduite en la matière. Merci beaucoup, Rachel, pour cette interview du ministre de la Santé. Thomas Galisson, un dernier mot. Pour moi, le pass, pour moi, c'est toujours non. Et le masque, taux de vaccination. Prolonger, pour moi, c'est toujours non. Même si j'oublie de le faire, ma réponse est toujours non. Pas pour le faire, non. C'est toujours non parce que je suis toujours pas d'accord avec ça. Pour chaque employeur, du taux de vaccination dans son entreprise. Ce qui pourrait permettre, et c'est aussi inscrit dans les notes en sortie de ce comité de concertation, de réfléchir à instaurer aussi le Covid Safety Kit, le fameux pass sanitaire dans les entreprises. On n'en est pas là, mais l'idée de se dire, c'est d'avoir une première vision, combien d'employés j'ai chez moi vaccinés, et puis éventuellement d'avoir une base légale pour introduire aussi ce pass sanitaire dans le monde de l'entreprise, ce qui serait une sacrée étape. En effet, et on suivra ça dans les jours et les semaines qui viennent. Merci beaucoup Thomas Galisson pour ce décryptage ce soir. En plateau, et le monde de la nuit doit lui normalement rouvrir le 1er octobre prochain. Après 18 mois de fermeture, 18 mois, c'est bien simple, c'est le seul secteur qui a été fermé sans interruption depuis l'annonce du confinement en mars 2020. Nous sommes allés à la rencontre d'un patron de boîte de nuit, le reportage de Denis Peepers, Denis Silva et Poveda et Guillaume Wolf. Voilà. 18 mois passés dans brouillard. Les boîtes de nuit vont enfin au bruit. Voilà. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Voilà, comme vous voyez, je n'ai rien inventé. Mais il y a quand même. On voit que. Ouais, on voit qu'il a la mordue. Il ne voulait pas. Non, il a été forcé de le dire. Ça se voit quand même. Hein. C'était le vote Belling au pouvoir à Bruxelles. Là, Alexandre Corre aurait dit tout l'inverse. Ah ouais, ça. Parce que nous, le vote Belling, on ne force pas les gens à dire n'importe quoi. Mais ça restera quand même un. Mais Alexandre Co restera. Il est et il restera toujours le meilleur premier ministre belge. Parce qu'il est comme ça. La main. Même sur la peur, même sur la menace du gouvernement bourgeois, Alexandre Co sera toujours comme ça. Voilà. Le gouvernement wallon, on s'en bat les couilles. Et le gouvernement bruxellois, on s'en bat les couilles. Et moi, je continue ma grève. Au finish. Voilà. Un Marcel à Sèvres. Ah ouais. Ah ouais, t'as entendu, hein? Ah ouais. C'est grave. C'est pas grave. Non, on va rester en Espagne. Au finish aussi, bien sûr. Ah ouais. De toute façon, les arrêts de Pedro et M. Silence, non, c'est ça, M. Silence et Mme Bruy, le problème est déjà réglé. On va travailler en Espagne pour payer le loyer de l'endroit, du bout de la maison que M. Silence et Mme Bruy nous ont loué, enfin, réservé pour nous. Donc voilà. Donc nous, on restera là en Espagne. Allez, hein. Aux îles Baléares, en zone verte. Là, il n'y a pas besoin de masque, ni de façade de montre de balle, du coronavirus, ni du passe-sanitaire de montre de cul. Voilà. Bon. Parce que le passe-sanitaire et le masque et le vaccin, il sort de mes narines et il va jusque dans mon cul et ça commence à me faire chier. Voilà.
Bon. Ouais. Ah, c'est comme ça, la frite. Ah ouais. À tous ceux qui habitent en Flandre, le 1er octobre, ils vont faire la lampada, ils vont faire la festa, ils vont faire la fête. Ah ouais. Ils auront enfin la vraie liberté. Ils auront de nouveau droit à une vie normale. Ah ouais. Mais à Bruxelles, on l'a dans le cul. La Wallonie, je m'en fous que l'on l'a dans le cul. Moi, j'habite à Bruxelles, pas en Wallonie. Voilà. Donc, les Wallons, vous êtes capables de porter plainte à l'avocat pour vous. Moi, je porte plainte à l'avocat pour moi, enfin, pour ma commune à moi, qui est Bruxelles. Donc, les 19 communes de Bruxelles. Voilà. Merde. Ouais. Merde. Bordel, merde, merde, ouais, merde, voilà. Bon. Et donc voilà, Marcel, ah mais j'avais dit à Marcel, ah bien sûr à Marcel, ah mais ça c'est sûr, la frite, hein, en rien, en rien. Ouais, ce soir, on va continuer à regarder les films de Bebel, hein, il faut continuer, hein, notre deuil avec, pour Bebel, hein, ouais, parce qu'il le vaut bien, ouais, hein. Bon. Et maintenant, un invité, ici dans le fauteuil, qui va nous parler de Bebel. Oui, de Bebel. Alors, qui va nous parler de Bebel? J'ai pas de tigre. Oh, d'ailleurs, t'as pas de tigre. Non, pas de tigre. De panthère. T'as pas de panthère. Non. Ça, c'est pas un panthère. Ah, si, c'est une panthère. Non, c'est pas une panthère. Ça, c'est un tigre. Un tigre de Bengale. Mais une panthère. Non, j'ai pas de panthère. Bon. Bon, tant pis, hein, le tigre de Bengale, tu vas jouer le rôle de la panthère, hein, mais c'était un tigre, hein, bon. Hein, tu peux, hein, le faire. Ouais, hein. T'inquiète pas, t'arriveras à le faire. Bon, alors qu'est-ce que tu en penses de Bebel? Alors Bebel, il était bien, il était magnifique, il était génial, un bon acteur, un bon comédien, un bon cascadeur, un bon conducteur, un bon tireur, un bon pilote d'avion avec hélice. Ouais, pilote d'avion avec hélice de guerre. Voilà. Où il n'y a pas de toit avec une seule fenêtre. Voilà. Où il n'y a que deux personnes, un devant et un derrière. Voilà. Et donc voilà. Anyway. De toute façon, moi, je suis contre le pass sanitaire et je suis contre la prolongation du masque, même si le masque, je dois continuer à le faire, enfin, le mettre dans les magasins et tout ça. Donc, voilà. Le pass sanitaire, eux, ils peuvent le mettre dans leur cul. Je refuse de l'avoir. Et le vaccin peut se mettre dans leur cul. Mais le vaccin, quand on a le coronavirus, il peut se mettre dans leur cul. Moi, je me suis abonné au vaccin de la grippe et je n'ai pas plus loin que lui.
Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ah ouais. Maintenant, on est pas ça, on est à Bebel. Ah ouais, Bebel, il était bien, ouais, il était bien, Bebel. Hein. Ah ouais, hein. Il était magnifique, hein. L'as des as, hein. Le professionnel, hein. Ah ouais. Hein. Ah ouais, hein. Il était bien, Bebel, ah ouais, il était bien. Hein. Ah ouais. Hein. Ouais, t'as raison. Nous allons faire une minute de silence pour rendre un hommage à Bebel. Ah ouais, hein. Voilà, merci pour cette minute de silence. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a beau sur Bebel? Ah ben, il était bien, rien. Il était magnifique, il était beau, c'est vrai. C'était un bel homme, hein. Ouais. C'est dommage qu'il est parti. Ouais. C'est dommage qu'il est décédé. Ouais. Mais on l'aimera toujours. On t'aime, belle, on t'aimera toujours. T'inquiète pas. Ah ouais, hein. Ça c'est sûr, hein, un moins, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il était bien, Bebel. Ah ouais, il était magnifique, hein. Il n'y a rien à dire. Ah non, ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Et voilà. Ah, mon amour. Oh, pardon. Et voici les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Alors, Raoul, ça va? Ouais. Ouais, ça diminue, hein. Ouais. 18, 19, encore deux jours. Ça diminue, hein. Et après, vous allez faire votre tour du monde en kayak, hein. Ah, ouais. Et comme vous l'avez attendu, maintenant ça devient vital, la zone verte, pour la zone verte. Ah ouais, zone verte, oh là là, Raoul, c'est vital pour la zone verte maintenant. Ah ouais, la zone rouge devient dangereuse maintenant. Ah ouais, ah, mais ah ouais, ah mais si il faut aller que dans les îles, ben vous irez que dans les îles. S'il n'y a que les îles en zone verte, ben tant pis, vous irez que dans les îles, mais au moins vous irez quelque part. Voilà. À moins que vous voulez passer tout votre... À moins que vous voulez continuer à ramer et jamais vous reposer.
Mais alors, vous allez être fatigué, hein. Et vous n'êtes pas des sérums, hein. Bon. Ça. Oh ouais, vous n'êtes pas des sérums, hein. Ah oh non, hein. Bon. Et donc voilà. Et donc voilà. Donc le masque sera toujours obligatoire à Bruxelles et moi, ma grève avec Cotonou. Voilà. Voilà. Pour le pass sanitaire, pour le vaccin et pour le masque prolongé à Bruxelles, ma grève avec Cotonou au finish. Voilà. Ah, c'est comme ça, les gars. Faut être de la gueule des gens, hein. Et dans un autre reportage, Rudy DeVol, Rudy Verver, l'enculé de mes deux couilles là, il y enverra la mi-octobre, donc le 15 octobre. Ouais, ouais, mon cul, ouais. Tu vois qu'on fait de la merde, espèce d'enculé de mes deux couilles, hein. Avec ton Alain Marron là, le ministre de la Santé pour ses lois. Et la ministre de la justice, de l'intérieur, là, la ministre de l'intérieur, là, enfin la ministre de l'intérieur, là. Je sais plus comment, là, hein, franchement. Deux enfoirés et une salope, voilà. J'ai rien contre les femmes, mais là, celle-là, elle ne mérite pas mon soutien. Elle ne mérite même pas le sein des autres femmes non plus, d'ailleurs. Et le médecin, là, enfin pas le médecin, mais le. Celle qui s'occupe de l'aviation, là, la dame, là, je sais plus comment elle s'appelle, là, elle aussi est une salope. Elle aussi ne mérite pas le soutien des femmes, hein, non, hein. C'est sûr, certain. Faut pas déconner non plus, hein. Bon. Hein, Raoul, hein, ouais, c'est vrai. J'ai raison, hein, Raoul, hein, ouais. Ah, c'est comme ça, Raoul. Ah ouais. Bon. Ah ouais, c'est sûr, hein, Raoul. C'est même sûr, certain. Bien sûr. Hein. Et là, on se retrouve demain, même endroit, demain à 22h. Et bonsoir à tous et à tous.